un très grand merci pour votre présence, pour assister à ce casting qui s'est déroulé ici à la Villa Patisserala, dont je remercie mon ami pour la mise à disposition de la villa. Comme vous l'avez bien remarqué, il y avait quand même presque une vingtaine de personnes, de jeunes filles de toutes raisons. Je voyais qu'il y avait des Marocains, des Algériens, des Tunisiennes, des Polonaises, des Allemandes et tout. Moi, cet enrichissement culturel, je l'adore. Et c'est dans ce sens que j'organise le défilé de mode du 20 avril, Inch'Allah. Nous avons vu que Nassim Djelloul, un des monadimiens, qui a donné la force aux chabab et qui a donné la force من حيث التراث المغربي الثقافي او من كل الابداعات بانهم يقدروا يشاركوا في هذا خصوصا في لا ماروكين. Je suis venue participer pour le défilé pour la marocaine le 20 avril 2018. Ça s'est super bien déroulé. Voilà. Non, c'est pas la première fois. J'ai déjà fait avec la styliste d'Aïra quelques défilés. J'ai participé au casting pour un événement de robe orientale, de haute couture, avec mes copines, avec qui on fait beaucoup de défilés ici à Anvers. Justement, le casting s'est fait pour cette raison, pour le choix des mannequins pour ce défilé de mode qui se devrait congédier le 20 avril à la salle Clariche, en présence de la grande journaliste Samir El-Bloui, du grand chanteur Abdelrahim Souhairi et de quelques chanteurs de Belgique comme Fatine Belaguida, Samia Sabri, l'Akhdiyan l'orchestre Anwar Chouaï. Le casting de Qfatan غادي يديروا ان شاء الله لو 20 افريل الديفيلي ديال القفطان المغربي هنايا ان شاء الله غادي يكون واحد ليفينمون كبير اللي المنظم ديالو غادي يكون سيميلو تشلول وسوفيا. اي مغربيه ولا اي مراه عربيه ما تقدرش تحضر بلا القفطان المغربي، فالقفطان المغربي هو شي حاجه مهمه وضروريه عند كل النساء العربيات. Donc, moi aussi, je participe aujourd'hui à un grand événement. C'est pour le mois d'avril. Donc, je viens aujourd'hui pour un casting de caftan marocain. C'est un événement qui va se passer au mois d'avril. Je suis très fière de porter justement le caftan marocain. Pour moi, c'est un signe d'élégance depuis longtemps. Et c'est le caftan de maintenant. Il a vraiment évolué. Et au fil des années, et c'est une fierté de le porter, justement. Et c'est pour ça que je suis là. Un défilé marocain, un pondra marocain. D'accord, et c'est la première fois que tu défiles? Je dis non, c'est pas la première fois que je défile, non. Non, c'est là, peut-être sixième fois, peut-être. On en fait beaucoup, parce qu'en Belgique, Bruxelles, Anvers, il y a beaucoup de défilés, beaucoup de Ziana aussi qui se rassemblent, qui font des petits défilés, donc j'en ai fait quand même pas mal depuis maintenant. Je suis Zahira, mon nom d'artiste est Zahira. Je suis styliste algérienne établie à Bruxelles. Donc c'est ma première participation à cet événement avec Miloud Djelloul. Donc c'est un défilé qui aura lieu le 20 avril. Diana, quand je suis stressée, mais ça va. D'abord, il y a un casting, on va les chauffer. بعد المناسبة غادي نشكر الأخ ميلود جلول مسؤول على هذا الكاستينج هذا واللجنة التحكيم وكاع التقنيين وكاع البنات اللي شاركوا معنا ونتمنى حد سعيد لجميع البنات. C'est pour ça que c'est voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, comme je suis mixte, j'ai grandi quand même en France avec une culture européenne et chez mon papa plus marocaine. Donc c'est quelque chose, c'est une fierté pour moi, c'est quelque chose que j'aime. Comme vous l'avez bien vu, le casting s'est passé dans de très bonnes conditions. Alhamdoulilah, il y avait tout un jury que je remercie infiniment pour le professionnel de l'homme. Maintenant, on a fait un premier choix. Et on va voir, peut-être qu'on aura besoin d'un deuxième ou bien un troisième casting pour justement arriver au nombre souhaité. Justement, si je fais ce casting pour montrer l'aspect professionnel de la chose, ça veut dire qu'on choisit, il y a tout un jury qui choisit des bons modèles pour bien présenter et représenter le caftan marocain Diana. Il faudrait qu'il y ait un événement à Bruxelles où des vrais stylistes sont mis en avant, des vrais mannequins et pas des filles qui jouent les mannequins, toute une équipe, des vrais photographes, c'est-à-dire toute une organisation qui est vraiment basée sur le monde de la mode. Et non pas sur l'arrivisme ou c'est comme on voit parfois des commerçantes ou des INA qui se prétendent stylistes qui ne savent ni coudre, ni créer, ni. Et c'est pas de la mode. J'ai défilé dans pas mal d'événements en France, ici,
autre part. Un rêve mariage, rêve de petite fille peut-être. En tout cas, un très grand merci et je vous donne tous rendez-vous, Inch'Allah, le 20 avril au Claridge. Merci.